fais là? Je suis pas capable d'embrayer. Et tu fais rien que des bêtises. Mais tu peux pas regarder, non, avant d'embrayer comme du monde. Mais tu conduis ça comme si c'était un garage de bébé. Envoie-t'ense, toi! Un accident, c'est un accident. T'aurais pu t'arriver aussi bien à toi qu'à moi. Ah ben, si t'as cassé une pièce, le travail est arrêté à cette heure. Tu sais ce que ça coûte de réparer ces machines-là? Ça, c'est la part du retard qu'on va prendre. Hey, des fois, je me demande ce que t'es revenu faire sur la terre. Tu sais, l'ouvrage par les sites, c'est plus difficile que de jouer de la guitare. Ben, si tu veux savoir, je pense juste le contraire. Le petit Étier, il a 12 ans, puis il les mène les machines à son père. Mais il est pas capable de jouer une note de guitare, par exemple. Je te le fais pas dire. T'es moins fiable qu'un enfant de 12 ans. Bon, ben, c'est pas ben bel temps de faire des leçons aux autres, hein. Quand on tombe dans les bras de la première fille qui passe, toi, t'agis comme un enfant de 15 ans. Devenir fou, vous autres! Et hein? C'est ce maudit enfant d'école-là. On confie une machine de 15 000 piastres entre les mains, puis il trouve le moyen de la briser d'un coup. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est l'embrayage. Hein? Bon, ben, décroche ton tracteur. Va le tirer avec le mien. Déjà septembre. L'été passe donc vite, hein, papa? Ouais. Je pense qu'on va avoir un bel automne. Mm. Puis c'est bien mieux de même parce que on a bien de quoi faire avant l'hiver. Sais-tu bien, Bru, l'année prochaine, on va en parler à Antoine, là, on va semer des topinambours. L'année prochaine? Ouais. Pauvre pépère, Dieu sait où on sera l'année prochaine. Comment ça, l'année prochaine, on sera ici? Si Jean-François partait, ce serait fini, pépère. Faudrait vendre. Comment ça, faudrait vendre? As-tu parlé de partir encore une fois, lui? Non, il n'y en a pas reparlé. Bon, mais dans le doute, ma Bru, vaut mieux point parler. Ah, Jean-François, là, il est... ça fait au moins un mois et demi qu'il n'a pas parlé de parti. Il travaille ben, presque comme à son habitude. Les choses sont venues quasiment comme avant. Moi, j'étais certain qu'il parlait en l'air, le garçon. Je dirais pas ça, pépère. Jean-François, il parle jamais sans avoir bien réfléchi avant. Vous allez voir, il va revenir là-dessus. Vous le connaissez mal. Je pense que... il serait le temps de faire quelque chose, pépère. De prendre une décision. Une décision? Quoi tu parles, toi, là? T'as pas fait une belle vie avec moi, toi? Ben oui, pépère. Je me plains pas non plus. J'ai été heureuse avec vous, puis je le suis encore, mais... faut voir les choses comme elles sont, hein? Antoine puis moi, on est rendus au bout de notre rouleau. Non, ça, c'est pas vrai. Antoine, il travaille plus que tout le monde ici dedans, malgré ses 60 ans. Non, ça, c'est pas vrai. Il y a que moi qui s'aperçoit pour ça. Oh non, craignez pas, pépère. Moi aussi, je le vois, puis je le sais. T'sais, ça, c'est Jean-François qui a fait des accords à tout le monde. Qui est tout seul à travailler parce qu'il est jeune et fort. Selon lui, Antoine devrait déjà être à sa retraite, puis moi, je devrais être mort. Jean-François est un grand tordilleux. Moi, je dis que les choses doivent venir en leur temps. Il y a du vrai dans ce que vous dites là, pépère. Mais il faut avouer que la situation est compliquée de nos jours. Moi, je suis de l'avis de Jean-François qu'il faudrait changer notre façon de vivre. Bon. Dans votre temps, pépère, dans le temps de notre jeunesse, à Antoine puis à moi, la vie sur la Terre, c'était tellement différent. On n'avait pas les grosses responsabilités qu'on a aujourd'hui. La vie était plus facile. Moi, je pense qu'il faudrait que vous soyez juste, pépère, puis vous nous fassiez confiance. À toi et à Antoine, je ferai confiance à 100%. Aux jeunes, non. Il faut qu'ils apprennent à obéir avant de vous voir commander. Plus le goût de rien. Je pense que tu te fais bien plus de chagrin qu'il faut. Voyons donc, tu sais très bien ce qui se passe. Tout le monde le sait d'ailleurs. Quand il n'y a pas à faire, il est avec elle. Mais quand même, si
infirmier, elle travaillait pas mal fort, sa ferme. Puis chaque fois qu'il s'en va de la maison, il est pas toujours avec elle, c'est pas vrai, ça. L'autre fois, papa avait à y parler. Jean-François avait dit qu'il partait pour Saint-Amélie, chez Boutier. Ben, papa a téléphoné, il était là. Ça, c'est une fois. Mais pourquoi on se voit plus ou presque plus? Le dimanche, il passe une heure avec moi, après, il dit qu'il s'en va. Il y a du travail à finir. Comme l'autre fois, on va au cinéparc. Là, tu comprends, il n'y a pas besoin de parler. Bon, j'en ai assez, je vais mettre les choses au point, puis ça sera pas là. Pas encore. De toute façon, Isabelle Dantès s'en va. Elle retourne à la ville dimanche soir. Berthe me le dit un matin, ses vacances sont finies. Oh? Tu sais pas ce qu'il fait à soir? Ben non, mon pauvre vieux. Quand il s'en va, il... bien sûr, il vous dit pas où il va. Des fois, il dit qu'il va faire une marche. Tante Matou raconte qu'il reste des heures parti, que vous savez pas quand est-ce qu'il rentre parce que tout le monde est couché. Tante Matou est pas mal comme mère. Elle aime ça, mais un peu trop. C'est pas vrai ce qu'elle dit? Ben, oui puis non. Je sais qu'elle a raison. Depuis la fête du mois d'août, tout a été fini entre nous. Comment ça, tout? Il dit qu'il veut plus te marier? Non, si au moins il disait ça, je saurais quelque chose. Il me dit, attends, ça va passer. J'ai pas le cœur, ça va revenir. Ça fait un mois qu'il m'a pas embrassé sur la bouche. 3 semaines, en tout cas. Non, je veux plus l'attendre. Après tout, ça m'humilie. La prochaine fois que je vais le voir, là, je vais lui remettre sa bague. Mais non. Non, je te le dis, attends. Quand Isabelle sera partie, on verra bien ce qui va se passer. Tout à coup, il continue à faire des marches, là, comme en ce moment. Ça voudra dire qu'on s'est toutes trompées. T'as raison. Je vais attendre quelque chose. C'est pas mal vieux, cette cabane à sucre-là, hein? Hey, dors-tu? Non, pas de miette. Je pense aux autres qui doivent se demander où je suis disparu en plein travail. Je pense aussi que lundi, tu seras plus ici. Tu vas être en ville. En tout cas, je suis bien contente d'être venue en vacances chez mon frère. T'es contente parce qu'on s'est rencontrés? Ben oui, c'est sûr pour ça aussi. Mais c'est surtout que, après ma vie au village, je vais être bien contente de retrouver la ville. Parce que je le sais à cette heure que je pourrais plus venir vivre par ici. Bien sûr, on se reverra plus. Qu'est-ce que tu dis? Ben, comme de raison, je m'en vais. C'est ça que tu penses? On se reverra plus. Ben voyons, Jean-François, sois raisonnable. Tu pourras pas faire bien souvent le voyage pour venir me voir. Mais Isabelle... Isabelle, viens-tu folle? Ben, je t'aime. Je t'aime comme un fou. Avant, je savais pas ce que c'était que d'aimer. C'est toi qui m'as tout appris. Je peux plus me passer de toi, puis tu le sais. Mais tu m'aimes, toi et tout. Ben, envoie, il dit quelque chose.
Depuis un mois, on s'est fait ici quasiment deux fois par jour. Mais oui, mais c'était les vacances, Jean-François. Oui, mais... Et tu disais que j'étais fort, que tu m'aimais. Que je faisais bien ça. Mais oui, mais je dis pas le contraire. Mais vois-tu, moi, je me retourne en ville, puis toi, tu restes ici. C'est ça qui m'incommode. Oublie tout ça, puis... Profitons des moments qui nous restent. Non, Isabelle. Regarde-moi bien, là. Je suis pas un enfant, puis je suis pas un imbécile. Arrête de me parler de même. Et tout ce qu'on a dit, puis tout ce qu'on a fait, c'était rien pour toi? Oh. Écoute-moi, j'aime ça dire des affaires pendant que je fais l'amour, sinon c'est pas le fun. J'ai toujours un peu désaccroît. Bon, sur le coup, je le pense, mais... Mais quoi? C'est pas comme toi. Comment ça, comme moi? Mais justement, toi, tu dis jamais rien. C'est pas vrai. Moi aussi, j'ai dit que c'était beau, que c'était merveilleux, puis que je t'aimais. Ben oui, t'as dit ça, comme moi, je dis d'autres choses. Fais bien attention, Isabelle. Tu me connais pas pantoute. Je prends un gars de même, moi. Un gars qu'on excite, qu'on prend, puis qu'on laisse tomber. Voyons donc, tous les hommes sont pareils. Les autres, ça m'intéresse pas de savoir comment ce qu'ils sont. Je m'en fiche bien. Mais toi, tu sais pas qui t'a été cherché. Parce qu'oublie pas ça, ma fille. C'est toi qui as commencé le grand jeu. À cette heure, moi, je veux pas arrêter. Je suis pas un cheval, moi, à qui tu dis marche, wow, arrête. Je parle pas souvent, c'est vrai. Mais quand je parle, c'est pas pour rien dire. Puis à cette heure, Isabelle, essaye pas de me planter là, puis bonsoir, la visite. Tu vas me voir partout où c'est que tu vas être. Écoute, fais pas le bébé, là! Au contraire, je parle comme un homme. C'est peut-être ça que tu comprends pas. Écoute, tu m'écrases! T'es à moi, Isabelle. Je vais te marier, t'as pas besoin d'avoir peur. Mais un autre homme après moi, t'en auras pas. Il peut toujours m'engueuler, lui. Depuis un bout de temps, il est pire que moi. Il disparaît, pouf, puis personne. Cherchez où je suis. Mais il n'a pas perdu pour tout le monde, allez. Ferme-toi donc. Ton frère a le droit de prendre un peu de vacances. Ça fait au moins 10 ans qu'il n'a pas pris plus de 2 jours. Viens tant qu'un homme se tanne. Moi, je suis pas contre, mais il m'inquiète, ton gars. Ah ben, s'il vous inquiète, c'est une bonne chose, ça, Pépé. Ça va peut-être vous aider à le comprendre un peu. Et puis, vaut peut-être mieux que ça arrive aujourd'hui, quand je suis encore capable de travailler. Tu le défends toujours. Hein? N'empêche que ton gars, il est plus comme il était, il est plus comme avant. Ça, c'est une autre histoire. Tu penses à la réunion d'hier soir, hein? Faites donc comme si je vous avais rien dit, père. Hein? Il n'empêche que je pense que les jeunes ont raison. Hey, ils ont plus de courage que nous autres pour discuter. À notre âge, on a toujours peur de partir des chicanes, des guerres, de se mettre des ennuis sur le dos. Tandis qu'eux autres, ils ont tout l'avenir devant eux. Hein? Ils veulent savoir. Non, ils ont raison. Autant de tête, autant d'avis. Peut-être que vous avez trop d'avis aussi. Dans mon temps, moi, je comptais... sur mes deux bras, mon courage, ma santé. C'est l'expérience qui m'enseignait ce que j'avais à faire. T'as pas un syndicat! Ben moi, c'est comme vous que j'aime la vie, Pépé. T'oublies, Martin, que les temps ont changé? Quand, ton grand-père, là, dans le temps, rien que pour avoir le droit d'avoir un toit sur la tête puis 3 repas par jour, il était obligé de travailler du lever du jour jusqu'à tomber de la nuit. Alors, je te verrais pas beaucoup à cette époque-là.
T'en reviendrais vite. Puis tu finirais par manger de la guitare, mon garçon. Je vous le dis, le père. Laissez-moi donc essayer de réparer la machine. Mais non, je t'ai dit de laisser faire. Je peux pas prendre de chance à te laisser jouer là-dedans. Ça pourrait me coûter bien trop cher. Plus cher que tous les dégâts que t'as pu faire aujourd'hui. T'es mal commode un matin, mon Antoine. Et peut-être la journée qui est pas bien encourageante. Saviez-vous, Pépère, que Jean-François, quand il est pas chez nous, passait son temps à le regarder pour des terres avant? Non, moi, je penserais pas. As-tu idée qu'une terre, ça cherche à pied le long des chemins, hein? Son char, là, il est toujours bien rangé dans l'hangar là-bas. Mais ça serait-il qu'il boudrait comme un enfant? Si tu veux m'en dire, ton fils, il y a bien d'autres soucis que la ferme en ce moment. Ah, ben c'est ça, papier. Dites comme les commères, qu'il est fou pour une femme. Ben, pourquoi pas? Pourquoi que ça y arrivera pas, lui aussi, pour une fois, comme les autres? Ce qu'il y a d'embêtant que monsieur mon frère, c'est qu'il fait pas ça comme tout le monde à temps perdu. Il fait ça comme il fait le reste, à temps plein. Bon, je finis mes conserves. Demain, si tu veux, je vais t'aider à l'ensilage. Dis donc, Jeanne, crois-tu ça? Crois que Jean-François est amoureux de l'Isabelle Dantin? Ben oui, Antoine. Ah, peut-être une bonne chose. Ça dépend pour qui. Elisabeth en a tellement de chagrin. Ah, je pensais pas à elle. Pourquoi tu dis que c'est une bonne chose, alors? Ben, pendant ce temps-là, il pense pas à acheter une autre tête. Ah, je te fie pas trop là-dessus, hein. Si Jean-François décide de casser ses fiançailles avec Elisabeth pour une autre femme, eh ben, il pensera qu'il peut encore bien moins nous l'amener ici. Ce serait pas vivable. Ah, t'as bien raison. Mais il paraît que Isabelle Dantin s'en va en ville dimanche. On va voir ce qui va arriver. Hmm? Mais il peut quand même pas aimer une fille assez pour partir vivre avec elle en ville. Oh, j'espère bien que non. Des folies à notre époque, il s'en fait tant. Allô, vous autres? Là, je vais aller voir papa. Vous savez pas si Jean-François est parti pour aller voir Elisabeth? Non. Elle est bien malheureuse. Oh, Annick! En passant, regardons si Martin joue toujours dans la machine. Quelle machine? Ben, la machine brisée. Non, mais il est-il têtu en monde? J'avais dit de laisser ça. Antoine, te fâche donc pas toujours contre Martin. Mais Tidré va venir demain matin. Créer misère. Antoine, sois donc pas toujours contre lui. C'est pas de sa faute s'il aime pas tellement les travaux de la ferme. Il fait son possible, il me semble. Pour une fois qu'il essaye de travailler à quelque chose, laisse-le faire. Mais qu'est-ce qu'il connaît dans la mécanique? C'est bien évident. Il y a une pièce de cassée. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Bon, ben, je peux toujours aller voir. Non, 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 je te promets que je ne trierai pas. Oh, Annick! Oui? Si tu vas voir, peut-être. Pas plus d'eau, c'est pas de confiture-là. Okay. J'ai mentionné qu'elle avait envie tout à l'heure. Hein? Jean-François devrait avoir le courage de parler à Elisabeth, maman. Ça serait moins cruel. C'est bien mon avis. Je vais essayer d'y en parler. Mais avant, on va laisser partir la fille. Hmm? Oui. Je l'ai, papère, je l'ai. J'ai tout compris à patente. Ben, venez, pas. Lave-la la pièce cassée. Je l'ai toute défaite bien comme il faut, là. Il reste juste à aller en chercher un autre. Puis je vais tout vous remonter sans 3X. Pas compliqué pantoute, vous savez. Ouais. T'as défait tout ça? Puis t'as dans l'idée de tout remonter ça correct? Ben oui. Ah oui, non, Martin. Tu sais bien que ça n'a pas d'allure. Je vous le dis, le père, c'est pas compliqué pantoute. C'est fait comme un jeu. Mais si tu joues encore là-dedans demain, puis quand on prend la machine, tout pète une autre fois, puis que c'est pire qu'avant? Ben, il paierait dommage. Ben, ça dépend. Je veux réparer ma bêtise, mais j'ai pas envie que ça me coûte les yeux de la tête, hein? Bon, je vais tout laisser ça comme ça, puis vous donnerez ça à votre homme demain. OK, OK. Ah oui, essaye-toi. Je vais chercher la pièce demain à ville. C'est drôle pareil, hein? Les travaux qui sont pas de la ferme, ça n'a pas de valeur pour le père. Ça fait des heures que je me casse la tête pour comprendre cette patente-là, puis pour lui, c'est une perte de temps. T'sais, dis-moi un vrai, c'est-tu vrai que t'as tout compris ça, là, en défaisant la patente? Ben oui, c'est pas compliqué, je vous le dis. Mais j'ai fait tous les dessins, là, puis je vous gage que demain, je vais être capable de tout remonter ça comme il faut. Ben, ce talent-là, mon petit gars,
Tu tiens ça de ton père ici. Ah oui, de vous? Oui. Dans le temps, je réparais tout moi-même. Maman, ton père, pas ta mère. Je vous aviez pas appris? Ben, pas plus que toi tout à l'heure. Comme tu disais à ton père, pour moi, c'était comme un jeu. C'est drôle pareil, hein? Tu comprends la mécanique comme il faut. Puis Jean-François, puis Antoine, ils comprennent rien. Pantoute. C'est bien comme ils disent. Chacun son métier. Les vaches sont bien gardées. Ou bien, à chaque trou, une cheville. Une cheville.